Mes chéris de dos roots, on a parlé longuement du Zangbeto, mais à quoi va-t-il donc servir? Quelle sera donc finalement sa destination? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et en même temps qu'on va vous exposer un peu nos idées, vous allez découvrir des projets nouveaux, ou du moins des projets dont on ne vous a pas encore parlé. Donc restez avec nous jusqu'au bout parce que je pense que ça va être intéressant et puis surtout, j'aurai besoin d'avoir vos retours, mes chéris doudous. Alors, Papa Roots, à quoi donc va servir le Zangbeto? Le Roots, le Zangbeto va servir de studio de création destiné à Maman Roots. Pour tout vous dire, Maman Roots, c'est une passionnée de création de matériel pédagogique, d'écriture, de lecture. Et finalement, elle va justement se servir de ces lieux pour pouvoir écrire, pour pouvoir. Créer. Alors, c'est vrai, les routes que jusqu'à maintenant, je vous ai présenté les œuvres de Papa Roots, je vous ai présenté les œuvres de Chiboudem, je vous ai présenté les œuvres de plusieurs artistes qu'on a eu l'occasion de croiser. Mais j'ai rarement parlé de ce que je fais en dehors des vidéos, en fait. Et quelques-uns parfois m'ont posé la question. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à parler de moi-même qu'à parler des autres. Bon, voilà. Comme on dit, C'est Maman cordonnier, Roots. toujours mal chaussé. Mais là, je me suis dit, ça fait un moment que je travaille sur certaines choses et que j'en parle avec Sani, l'artiste, mon mari. Et je me dis que, bon, il y a un moment donné, il faut que j'arrive à faire le pas. Donc, sincèrement, les routes, c'est un effort que je fais qui n'est pas évident pour moi, mais voilà. J'ai aussi cette partie artistique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à en parler. Et donc, Papa Rousse m'a poussé. Oui, Papa oui. Rousse m'a poussé pour vous en parler parce que c'est vrai que, bon, on en parle depuis un moment. Moi, mon art à moi, ce sont les mots. Alors, à travers les vidéos, vous le voyez un peu. Mais j'aime beaucoup écrire. Et l'écriture, justement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi et vers lequel j'ai toujours eu un peu de mal à aller. Et donc, toute cette thérapie dont je vous parle depuis le départ par rapport à ce retour en Afrique, il est aussi dans ce travail par rapport à l'écriture en ce qui me concerne. Donc, le fait d'être ici maintenant, le fait d'être au Bénin, le fait d'avoir changé énormément de choses dans nos vies, me permet moi maintenant de pouvoir trouver l'espace pour enfin me consacrer à l'écriture. Donc, voilà, je vous en parle aujourd'hui. Et donc, dans les semaines à venir, je serai amenée à vous. À vous. Quoi, je devrais le dire maintenant, c'est ça? Oui, pourquoi attendre? Bon, d'accord. Donc, en ce moment, les routes, je suis en train d'écrire un livre de littérature jeunesse. Alors, ce livre, c'est une création parmi d'autres sur lesquelles je travaille. Vous avez pu déjà voir l'abécédaire Chiboudem qu'on a fait à deux, Papa Routes et moi. Et je continue à écrire pour la jeunesse parce que d'abord je suis très inspirée par Chiboudem et aussi parce que bon voilà l'écriture c'est un moyen par lequel je peux apporter je pense énormément de choses Tout à parce que fait. je suis une grande chercheuse et aussi observatrice de tout ce qui concerne la jeunesse et voilà ça m'inspire des choses. J'aime transmettre aussi beaucoup. Et donc, le prochain livre que j'ai écrit et qui est à paraître, c'est un livre jeunesse qui s'appelle... On va pas le dire là. On dit pas le nom? Non. Un livre jeunesse, les Woods. Là, ce sera pour la suite, là. Ah mais là, aujourd'hui, c'est papa aussi qui Ouais, fait le on suspense. va pas révéler quelques petits détails parce qu'on sait qu'on va partager ça avec vous, hein, mais il faut faire durer le suspense. Donc déjà, on vous a révélé une chose, c'est-à-dire de vous faire savoir que Maman Roots, bon, je pense que certains ont dû déjà le voir, hein, c'est une passionnée d'écriture, de lecture, de création, de recherche. Et là,
Le Zangbeto, il était question du Zangbeto. Donc le Zangbeto sera destiné justement au lieu À à l'écriture. l'écriture, quoi, lieu de création de maman, où ça va Et beaucoup de pouvoir. choses autour de l'écriture aussi, en fait. Ouais, voilà. Mais on va dire que c'est, voilà, l'écriture. Donc elle va pouvoir je sais pas si on peut dire s'isoler. Oui, ça, Oui. disons que le Zangbito se prête beaucoup à l'inspiration, c'est-à-dire à pouvoir avoir le calme nécessaire pour pouvoir penser, pour pouvoir Exactement. créer, surtout quand il s'agit d'écriture. Donc, par exemple, toi, avec ton atelier de pyrogravure, c'est autre chose parce que bon, toi, tu coupes du bois, Mais oui, tu nettoies je tes calebasses. perce, je. Voilà, c'est un Donc autre là. travail. Donc Mais il faut que chacun ait l'écriture, son espace voilà. pour pouvoir être tranquille et L'écriture, être c'est inspiré, quoi. l'écriture demande un travail d'inspiration et demande un certain silence. Donc, on peut parler d'isolement entre guillemets, mais c'est vrai que ce mouvement de retrait pour pouvoir penser et pour pouvoir créer, tout simplement, moi, pour moi, c'est indispensable. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure cet univers qui est le mien, qui est un univers assez particulier. Je commence par vous le dire. Tout comme Papa Roots, et c'est là qu'on est très complémentaires encore, mon univers d'écriture, en ce qui concerne la jeunesse, n'est pas forcément dans les cadres. Ne rentre pas forcément dans les cadres que vous connaissez déjà. Donc je vous annonce déjà que vous allez être peut-être dérangé dans vos habitudes, que vous allez découvrir des manières différentes d'aborder la littérature, d'aborder l'apprentissage pour les jeunes. Mais je pense que ce sont des manières nouvelles qui peuvent beaucoup apporter aux jeunes générations et qui, en tout cas, apportent beaucoup déjà à quelques enfants, notamment Chiboudem, qui ont eu l'occasion de travailler avec moi. Donc, j'ai envie de partager tout ça avec vous maintenant, d'en parler plus, de l'assumer plus. C'est important. Oui, parce que après tout, ben, la jeunesse, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, travailler avec cette jeunesse-là, pour cette jeunesse-là, c'est prendre soin du monde de demain. Et c'est vrai que moi, ça m'importe beaucoup. Donc, le Zangbeto, ça va être, voilà, le lieu où ce laboratoire, moi, je vois ça comme un studio de création, l'écriture, mais aussi la vidéo, et aussi beaucoup de choses, en fait, qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Ça va vraiment être un espace, et c'est déjà en fait un espace que j'utilise et qui m'inspire, qui me permet de travailler, de me ressourcer et d'apporter ce que je peux apporter au monde. Donc voilà la réponse à cette fameuse question. Et dans les vidéos à venir, vous allez découvrir petit à petit cet univers, l'univers de Maman Roots, l'univers de Yéline, parce que c'est vrai en plus que j'ai rarement eu l'occasion, je crois que je vous ai jamais dit que je m'appelle Yéline. Je crois que je ne l'ai pas dit aux Roots. Hein. Non. Je vous le dis quand vous venez nous voir, mais je crois qu'en vidéo, je ne vous l'ai pas encore dit. Alors quelques-uns me posent la question finalement quand ils nous rencontrent. Je m'appelle Yéline. Yéline, c'est un nom bambara que j'ai choisi, c'est mon nom africain, qui signifie la lumière. Et donc c'est un nom que j'aime énormément parce qu'il symbolise beaucoup de choses pour moi. Et donc je vous disais que dans les vidéos à venir, vous allez mieux découvrir l'univers de Yéline, l'univers de Maman Roots à travers l'écriture. Franchement, c'est on fait du le suspense. Franchement, ça vaut le coup. Merci à Papa Rousse Ouais. pour son soutien. Papa Rousse me soutient beaucoup pour m'aider à assumer ce truc-là. Mais Pas évident. vous savez, Maman Woods, elle dit que je la soutiens, mais vous savez combien Maman Woods me soutient aussi, faire la pub de mes calebasses, les présenter, tout ça. Et Chiboudem aussi, il est là, il soutient beaucoup sa maman, il soutient beaucoup son papa. Donc en fait, c'est une énergie qui tourne, quoi. Ouais. Et on est là pour s'élever ensemble. Et Donc, ouais. je tiens à dire aussi que donc Papa Roots, pour autant, continue hein, à travers son Bien atelier de sûr. pyrogravure. Ah On oui. aura l'occasion aussi, les routes. Ça, c'est un autre projet
Je pense qu'on va, on peut le dire, hein, là on sera amené à en parler encore dans les autres vidéos. Papa Roots est actuellement en train de créer son atelier de pyrogravure, parce que pour l'instant, effectivement, il travaille à la maison, mais là, se fait sentir de plus en plus qu'on veut aller plus loin dans notre art, se fait sentir ce besoin d'avoir vraiment son atelier autonome. Donc, l'un des objectifs, c'est aussi de créer cet atelier de pyrogravure. Donc, ceux d'entre vous qui sont intéressés à nous accompagner dans ces divers projets, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Nous serons vraiment ravis de pouvoir en parler aussi avec vous. Voilà, plusieurs projets comme ça qui sont sur le feu. Mais vous aurez remarqué que ces projets-là, en fait, ce sont des projets à travers lesquels nous approfondissons nos arts respectifs. Alors, très important aussi de vous dire que cette étape de l'approfondissement de l'art chez nous, il vient après la première étape que vous avez vécue avec nous, qui a été celle de l'ancrage sur la terre béninoise, sur la terre de nos ancêtres, en fait. Alors, on vous annonce, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Ah oui. que, ben oui, que nous avons reçu notre nationalité béninoise. Béninoise. Donc, nous sommes officiellement reconnus par l'État béninois comme faisant partie de la population béninoise. Nous sommes des Béninois aujourd'hui. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'était déjà une réalité pour nous, mais maintenant, c'est une réalité également sur papier. Et cette réalité-là vient clore cette première étape dont je vous parlais, qui est l'étape de l'installation, de l'ancrage, qui n'est pas terminée, mais disons que cette première étape qu'on a vécue durant ces 3 années qui se sont écoulées là, c'était l'étape où on prenait les repères, l'étape de notre arrivée, où il fallait tout reconsidérer, où il fallait tout réapprendre ici. On n'a pas fini d'apprendre, mais on a posé les premières bases dans cette première étape. On a construit notre habitation, on a passé nos galères de visa voilà, d'adaptation, de compréhension par rapport au premier contact avec nos frères et sœurs ici au Bénin, de la compréhension de la culture béninoise. Donc tout ça continue de se faire, mais le fait d'avoir reçu cette nationalité béninoise vient montrer que là, on passe maintenant à une autre étape. Qui nous permet désormais justement de pouvoir approfondir plein de petites choses qu'on avait déjà vues, qu'on avait déjà notées dans notre installation physique ici, mais qu'on ne pouvait pas encore approfondir parce que, voilà, avec les diverses occupations qu'on avait, le stress voilà, de l'inconnu, etc., beaucoup de choses à apprivoiser au départ qui ont fait qu'on a repéré des choses, mais que maintenant, on est en mesure de les approfondir les routes. Donc, dans cette deuxième étape à laquelle on vous invite, vous aussi, à participer, à vivre avec nous, vous allez découvrir comment finalement, vous allez découvrir avec nous, comment est-ce que on arrive à développer nos arts respectifs? Parce que c'est ça qu'on veut en fait. En quittant notre ancien environnement, c'était ça notre quête aussi. C'était d'arriver à mieux nous retrouver. Et à travers l'art que nous sommes en train de développer, à travers nos arts, eh bien, c'est ce travail-là qui se fait. C'est ce travail-là sur lequel on va pouvoir se centrer maintenant que les premières bases ont été posées. Donc, plus que jamais les routes, restez avec nous. On va découvrir beaucoup de choses, on va vous permettre de découvrir beaucoup de choses. On espère que vous allez toujours autant partager avec nous, échanger avec nous, parce qu'on sait que ça continue. Notre chemin, c'est un peu aussi votre cheminement à vous. Donc, merci à vous tous qui êtes là depuis plusieurs années, qui partagez tous ces grands moments avec nous. Merci à vous qui venez de nous rencontrer, qui venez de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. On espère que ben, l'aventure va continuer encore longtemps. En tout cas, on a beaucoup de choses à vous partager. On le fait avec toujours autant de plaisir, avec autant d'authenticité, en tout cas. On vous dit les choses comme on les vit, comme on les sent. On a toujours autant de plaisir à le faire. Voilà. Yes. En tout cas, je pense que maman Oussa a tout dit, hein. Donc, oui, là maintenant, on est dans une autre phase. Oui, et puis le but, c'est au niveau économique, d'être plus fort,
mais à travers, en étant toujours aligné, quoi. Voilà, on veut être plus fort économiquement, mais toujours en restant fidèle à nos valeurs, en restant aligné à nous-mêmes. Et c'est à travers l'art qu'on arrive à faire ça. Donc, voilà. Voilà les Woods. Merci à vous. On se dit à la prochaine vidéo, les routes. La prochaine vidéo, je vous expose de quoi parle mon livre, ce que c'est exactement. Il n'est pas encore terminé, mais il n'est vraiment pas loin. D'ailleurs, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? J'ai donné quelques éléments, mais à quoi est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des idées de titres? Est-ce que vous avez une idée de ce que je suis en train d'écrire? N'hésitez pas à nous dire en commentaire, d'après vous, quel est ce fameux livre que Maman Ruth est sur le point de vous présenter? Dites-moi tout en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire et de voir un peu. Est-ce que vous me connaissez si bien que ça? Est-ce que finalement vous arrivez à déceler à travers ce que vous savez de moi, ce que vous avez déjà vu sur cette chaîne? Est-ce que vous arrivez à voir un peu de quoi il s'agit. Je suis curieuse de savoir. On va les laisser cogiter, En tout cas, merci les Rousses. On se retrouve dimanche prochain hein? et hâte de vous raconter tout ça. Il y a plein de belles choses à dire. Wow. Là, moi aussi, je serai là. Ok. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Gros bisous. Gros bisous, les Woods. Bye bye. Les Il faut pas rater la prochaine vidéo, hein. D'accord? À bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.